stray bullets are. I'm afraid. Je vous diffuse cette vidéo pour vous dire que certaines sources auraient fait état de violentes fusillades samedi soir au palais du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Les échanges de tirs auraient duré plusieurs heures, affirment ces sources, largement relayées par les réseaux sociaux. Des armes légères comme des kalachnikovs auraient retenti pendant plusieurs heures à l'intérieur du palais de Ben Salman, qui, d'après certaines rumeurs, aurait quitté, accompagné de son père, les locaux pour une base américaine. Bien entendu, ce sont que des rumeurs. Je ne valide pas vraiment ce qui est dit. Et toutes les voies d'accès du palais auraient été bloquées pendant des heures par des blindés. Dans la foulée, les bâtiments du palais auraient été encerclés par des centaines d'effectifs des forces spéciales à bord de véhicules blindés. Donc là, on ne sait pas si ils ont encerclé le bâtiment pour protéger le prince héritier Ben Salman ou ils ont encerclé le palais pour conduire à un coup d'État. Les sources proches du pouvoir auraient fait part d'un incident étant à l'origine de la fusillade. Bon, là, on parle d'un drone qui se serait trop approché du palais, provoquant les échanges de tirs. Mais bon, le problème, c'est que cette version n'est pas vraiment convaincante. Dans les images que vous venez de voir, qui circulent sur les réseaux sociaux, aucune cible n'avait été visée dans le ciel. Les tirs étaient concentrés autour du palais, voire à l'intérieur même. Bon, certaines personnes pensent que ce qui se passe en Arabie Saoudite serait un autre signe annonciateur. N'oublions pas que Ben Salman aurait déclenché l'offensive militaire contre le Yémen. Et dans certaines prophéties, c'est-à-dire dans certains signes annonciateurs, on nous dit, on nous précise qu'un feu sortira du Yémen. Donc je me pose cette question, est-ce que la guerre qui est menée contre le Yémen ne serait pas ce fameux feu qui sortira du Yémen? Donc tout cela serait probablement des signes qui annonceraient l'imminence de l'arrivée de ce mystérieux grand monarque. Quand je dis de l'arrivée, je dirais de la présentation, parce que je pense qu'il est déjà né depuis plusieurs années, il attend son heure. Je pense que là les signes, les événements s'accélèrent, donc il y a de fortes probabilités pour qu'on le voie apparaître, je ne dis pas tout de suite. Mais bon, ça serait une question de quelques années, voire, je ne vais pas préciser quelques mois, mais je dirais dans quelques années, il va apparaître. Ça peut être 2019, 2020, 2022. Bon, là, je vous ai fait cette petite vidéo assez rapide et bref, pour vous faire montrer qu'il y a bien eu des tirs assez nourris. D'après les témoins, ça aurait duré plusieurs heures. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe en Arabie Saoudite, parce que les informations ne disent pas grand-chose. Et nos puissances, nos gouvernements surtout, n'osent pas trop en parler, surtout nos médias, parce que l'Arabie Saoudite est quand même un client, un grand client, avec qui on fait beaucoup de commerce. Donc si le pays, l'Arabie Saoudite, est déstabilisé, ça risque de créer d'autres problèmes. Et précisons tout de même aussi que Ben Salman a précisé concernant l'Iran, si ce pays devait se doter de l'arme nucléaire, eh ben, il n'hésitera pas à se lancer dans la fabrication d'une bombe atomique. Donc là, je pense qu'on va se retrouver avec une poudrière nucléaire dans la région. Bon, j'en ai fini, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous faire montrer ce bref extrait de la fusillade autour du palais de Ben Salman en Arabie Saoudite. Peut-être que c'est un signe, mais je peux pas en dire plus pour l'instant, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Et bon, l'attaque aura eu lieu le 21 avril, donc voilà, c'est un peu récent.